Marc Bergevin qui fait une vente de garage. Peux-tu avoir un autographe? Ça va me faire plaisir. Non, d'un joueur du Canadien? Ah, ça, j'en ai pas, par exemple. J'ai assez de la misère à les faire signer. Mais j'ai quelque chose à te vendre, les épaulettes de Charles Hudon. Wow! Ils sont flambant neuves! C'est sûr, il allait jamais d'un coin. Ouais. J'ai un autre petit quelque chose à te vendre. Ouais? Un chandail signé par Radulov. Ça, à combien tu serais prêt à me le vendre? Écoute, ça vient de Radulov, joueur élite de la NHL, attaquant offensif de premier plan, valeur inestimable. T'as fait ça pour 10$. OK. 5? Garde, je vois pas en bas de 2. Garde, donne-moi une, puis il est à toi. Ah, hey, merci. Bon deal. Wow. Puis, ce chandail-là, il est-tu à vendre? Ah non, celle-là, il est pas à moi. On voit pas d'autographe, es-tu signé quelque part? Ouais, en Caroline. OK. C'était arrivé plus tôt, j'avais le bâton de piqué sous Ben. Piqué sous Ben? Ouais. Puis vous en êtes débarrassé? Ouais, il prenait trop de place dans ma chambre. Puis vous avez eu quoi en échange? J'ai eu ça. Un barbecue? Ouais, mais c'est un Weber. Il est vieux, mais il peut encore servir. 9$ le hot dog? Ben cher. Non, monsieur. C'est vrai hot dog du Centre Bell, ça. Ah. Ça ici, c'est quoi ça? Ça, c'est les culottes de pratique de Cole Caulfield. Mais ils sont pas à vendre. Mais viens me voir d'ici 2-3 ans, je vais te les donner. Ah ouais, OK. J'ai quelque chose pour toi qui pourrait t'intéresser puis que je veux me débarrasser depuis un bout. Quoi? Le chandail de Carl Osner? Non, monsieur. Mon set de golf. Il commence à être usé pas mal. Ça fait 4-5 ans que la saison débute plus tôt que prévu. Écoute, je te le donne, il est gratis. Wow! Je commence à comprendre pourquoi qu'un homme avec un gros salaire comme vous vit dans une petite maison comme ça. Ça, 11,5 millions. C'est moi qui l'ai négocié.